Choup-choup. C'est faux, mais c'est parce que j'ai la voix cassée encore. Hein. Excusez-moi. Comment allez-vous en cette belle journée fleurie et ensoleillée et en même temps un peu nuageuse? Alors attends, déjà, bonjour à tous. Bonjour Team Rediff, hein, on vous kiffe, je sais, vous n'êtes pas là, mais vous êtes avec nous par le cœur. Alors attends, parce que j'ai eu plein de dons. On va commencer par l'ordre. Vous faites des dons avant que j'arrive. Forcément, il faut que je rattrape ça à mon arrivée. Hein. Mamanon, j'ai hâte de te voir en live, Matibou, je suis là. Alexou, salut petit don, on attend tous Nevra. Ah, mais moi aussi, mais je sais pas si on le verra aujourd'hui. Hein. On est à l'épisode avec Valkyonu dans la grotte là, donc je suis pas sûre. Hein. Hirutsukishima, j'espère que le live sera bien car j'ai passé une mauvaise journée. PS, je t'adore, tu m'en donnes le sourire quand je suis triste, alors merci Tibou. Merci à toi Hirou et j'espère que ta journée se terminera mieux qu'elle n'a commencé. On a tous des journées cul, on en a tous, hein, donc j'espère que ça ira pour toi. Alors, je vous préviens, j'ai pris les Solus sur mon téléphone, parce qu'apparemment, vous m'avez dit que dans la grotte, on se paumait. Et j'ai envie d'économiser mes manas, voilà, parce qu'il me reste 1890 manas. Et j'aimerais pouvoir finir l'épisode, voilà. Donc j'ai noté enfin, j'ai quelqu'un qui m'a donné les directions. En me disant que c'était même pas fiable à 100%, mais bon, on va faire ce qu'on peut, hein. Bonne chance pour ton live, pour moi c'est Team Rediff car je suis en retard sur tes lives et derrière, pouka 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 à toi. Merci à Aimechiba et je comprends, ce sont des gros lives, il faut le temps de rattraper, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver, I believe in you. Alors oui, donc on était sortis de la grotte, hein, on en était là, et ma foi, on va espérer que tout se passe bien. Ça se trouve j'y retournerai pas, mais il me semble que je vais y retourner, c'est pour ça qu'on m'a dit, attends, je vais vous dire, enfin vous verrez, mais j'ai pris la photo. Ouais, en gros, je dois aller au croisement, à la galerie. Enfin, vous voyez, j'ai quelqu'un qui m'a donné les endroits où il fallait que j'aille. Donc, écoutez, est-ce que vous êtes tous bien installés? Est-ce que vous avez un petit peu d'eau? Une petite tarte au citron meringuée? Vous avez fait pipi? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux commencer ce live dans de bonnes auspices? J'attends votre aval. Ça veut dire que vous devez me dire oui, en fait. Non, mais je traduis, parce que tout le monde ne connaît pas aval. Hein. Enfin, pas le verbe avaler, parce que dans ce cas-là, ça serait un petit peu dégueulasse. Mais je quitte enfin la Team Rediff. Ah bah cool, lady! J'espère que vous allez bien. Alors si j'ai la voix un peu cassée, c'est parce que j'ai passé un super week-end pour mon anniversaire. Il y a eu une partie de mes modos, mes amis de Paris et mon papa qui m'ont fait une surprise pour mes 30 ans. On a fait un karaoké, on a beaucoup rigolé, beaucoup parlé. Du coup forcément, voilà, ma voix s'en ressent un petit peu. Hein. Kimo est devenu sponsor, bienvenue! Bienvenue dans la team de sponsors. Et Alicorne fait un don. D'ailleurs Alicorne, j'ai vu que t'étais devenu shoot sponsor également, merci beaucoup. Je suis enfin de retour pour fêter ma nouvelle carte et surtout pour fêter le début du live. Youpi, vive la live de Tibou. Et je suis également de retour pour vous jouer un mauvais tour. Forcément Alicorne, forcément. Merci à tous et je vois qu'il y a une masse de oui dans les commentaires. Merci à tous pour votre enthousiasme. On y va, on va essayer de le finir aujourd'hui, je garantis pas qu'on y arrive. Mais on va tout faire pour. Alors retournons à l'auberge. Je me suis trompée de ça commence bien. Déjà, je vais dans le mauvais sens. Bravo, Marilyn. Hein, c'est... Voilà, entrée du village. Bourg du village. Auberge. On y est. Ah, Eweline, comment tu vas, ma chérie? Azerti, Azertib. Petit don pour tes manas et pour voir Nevra. Merci beaucoup. D'ailleurs, tous ceux qui me font des dons, sachez que ce sera bientôt utilisé dans, directement dans Eldaria. Parce que comme, vous, voilà, comme je vous l'ai dit, il me reste 1820 manas. Vu la vitesse à laquelle on avance, il me faudra genre un don de 20 balles par semaine. Hein, donc, merci beaucoup. Et Eweline, tu tombes bien? Oh mince, elle n'a pas l'air d'avoir bonne mine. Alors, si le docteur tombe malade, on est mal. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Que me voulais-tu? On va peut-être pas insister, non? Enfin, on va peut-être pas, hein? On va pas s'inviter, on va pas, hein? Tu vois ce que je veux dire? On va pas... On va lui foutre la paix. Je voulais juste t'informer que nous avons exploré la grotte. Je continuais de lui expliquer ce que nous avions fait et vu durant notre escapade, tout en lui fournissant les échantillons de mousse et de roches que nous avions prélevés. Chrome, de son côté, était retourné au village après notre rencontre et n'avait pas énormément avancé sur l'élaboration d'un antidote. La tâche semblait plus ardue que prévu. C'était sans doute pour cette raison qu'Eweleine paraissait à bout de nerfs. Tu m'étonnes! Oh là, il y a plein de dons. Alors attends. Donc Azerti, c'est bon, je t'ai vu. Ezra, Ezra pour Ezarel ou rien à voir? Merci beaucoup pour ton sponsoring! Léa, coucou Thibaut, bon anniversaire en retard, sorry, mais faut pas être désolé, voyons. J'ai 30 ans, ça y est, je suis vieille. Théophile, hey, belle Esmeralda, mon fessier est bien installé. Bah écoute, j'en suis ravie. Et enfin, let's day. Pouit, 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 pouit. Ça me manquait. Tes pouit, pouit me manquaient beaucoup, hein. Pour Valentine's Story, en fait, j'ai fini le jeu, il manque 10 minutes, donc je ne pense pas que je ferai un troisième live dessus. Mais quand il sortira, bien sûr, on en reparlera. Pour ne pas trop la déranger, j'ai décidé de rentrer dans ma chambre à l'auberge. Au moins, je n'y ferai pas de vagues. Après une nouvelle nuit, j'entendis quelqu'un frapper à ma porte. Ah, qui c'est? Comment j'arrive même pas à faire la voix du perroquet dans le plombier?
Un coucou d'Aix-les-Bains durant mes vacances et content d'assister au live. Merci Manon, profite bien, merci ma belle. Pourvu que personne ne rentre, je suis encore en chemise de nuit. C'est dommage qu'il n'y ait pas Nevra d'amour. Hein. Là, on a tous une pensée pour Nevra d'amour, on aimerait trop qu'il nous surprenne en chemise de nuit. Hein. Tibouchou, prépare-toi rapidement et rejoins-moi à l'entrée du village, d'accord? Ça marche. Je me suis changée en toute vitesse avant de descendre. Je n'ai même pas eu le temps de prendre un petit déjeuner. Ouais, c'est dur quand même, attaquer la journée sans jus d'orange, c'est pas cool, hein. Ah, c'est... Je pensais que ça allait être Valkyon. J'ai donc mal fait sa voix. Bah, en même temps, c'est pas je pouvais pas deviner. Ah, hein. Oh, ça va être dur de faire sa voix avec, avec ma voix cassée. Madame Aglaé? Oh, simplement Aglaé, mon enfant. Ne t'en fais pas, nous ferons attention. Très bien. Elle est partie en bougonnant. J'ai l'impression qu'elle n'a pas osé dire le fond de sa pensée. Donc ok, ça va. Bah, il y avait bien Valkyon, je me suis pas foirée. Valkyon m'expliqua brièvement la conversation qu'il avait entretenue avec la doyenne. Les éboulements étaient courants, oui, mais depuis quelques années seulement, ce qui concordait avec la période à laquelle le cristal avait été brisé. Je me posais alors de nouvelles questions sur la puissance de cet artefact et sur l'immense influence qu'il paraissait avoir sur ce monde. En gros, genre le monde y tiendrait grâce au cristal, un truc comme ça, peut-être, hein? Allez, viens, on y va. Je te suis, Valkyon, je te suis. Il y a encore eu un éboulement du coup, hein. Allons-y. On descend de la montagne à cheval. Nous sommes arrivés devant la grotte. Alicorne qui ne s'arrête plus. Et bon anniversaire avec du retard Thibaut et je t'interdis de dire que tu es vieille sous peine d'être punie. Je ne le dirai donc pas, je suis juste très mûre. Comme une pomme, tu vois. Je sais, ah oui, l'anniversaire de Castiel était hier. Oui, j'arrive pas à lire ton pseudo parce qu'il est illisible, mais on me l'a dit. Mais je m'en fous, parce qu'il m'énerve, voilà. Chrome, Valarian. Explorez les environs, mais restez proche de la sortie. C'est vous qui assurez nos arrières en cas de besoin. Tibouchou, suis-moi. Valkyonou, oui, Valkyonou, on te suit. On déconne pas, là. Hein. Ça marche, chef. Je dirais la C, non? C'est vrai que c'est mignon comment il y obéit. Qu'est-ce que vous en dites? B ou C? Je pensais être la seule à tomber malade en été. Non, mais moi, c'est parce que j'ai trop chanté. C'était un autre problème. Laquelle on met? La B ou la C? La A, non. La A, c'est Valkyon, ça, c'est pas Ezarel. Donc il a pas l'humour très avancé, tu vois. Pose glouglou. On est d'accord qu'on n'a pas encore exploré la grotte. Si, on l'a déjà exploré. C'est pour ça que moi, je pensais que c'était fini, mais on doit y retourner, apparemment. Donc, voilà. Thibaut qui se compare à une pomme. Et pourquoi pas, Bulbizarre? La C. Ah là, vous dites tous la C. Il y en a un qui me dit B. Ah là là, là, pour une fois, vous êtes quasiment tous d'accord. Ça fait plaisir. La C. Ça marche. C'est mignon la façon dont Krone t'obéit serait... J'ai dit Krone. Non, c'est pas une Cronenbourg, non, non, Cronenbourg en plus on dit. C'est mignon la façon dont Krone t'obéit sans rechigner. Comment ça? Eh ben, il a pas vraiment le même rapport avec Ezarel ou Nevra. Toi, il t'écoute vraiment. Je crois qu'il a une grande estime pour toi. Ah bon? Je n'ai rien fait de particulier pour. Peut-être est-ce parce que tu crois en lui et que tu le considères comme un homme et pas un adolescent? Peut-être. Pour moi, l'âge ne veut rien dire. Oui, alors, c'est bien, hein, dans des relations humaines sans sexe, quoi. Parce que sinon, si tu rajoutes du sexe, ça devient un peu dégueulasse. Manon, je peux avoir un cookie. Bien sûr. Bah, si tu vas, va voir la photo que j'ai mise sur Instagram en story et serre-toi. Tu peux même en prendre deux. On doit être malade, nous sommes tous d'accord. Mais grave dévoreuse de livres, c'est un truc de ouf. Genre, j'ai eu que des C à part un B. Il y a eu un intrus, tu vois. Donc, Valkyonou, pédo. Alors, allons-y, rentrons. Va voir l'étendue des dégâts. Allons-y. Bon bah là je peux pas aller ailleurs. Alors attends, je vais voir ma liste. Est-ce que j'ai quelque chose là au croisement? Attends, est-ce que c'est là? Ah mais je sais pas si c'est là Elle m'a mis, en fait j'ai plein de trucs. Elle me dit balade-toi au début. Balade-toi au début. Oui mais je veux bien me balader hein mais. Oh là là. Ah mes manas, ah ça y est, il s'est passé. Je me suis baladée. Ça sonne pervers, voire pédo. Mais oui, c'est clair! C'est étrange, tout a l'air... normal. Presque. En tout cas, ici, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Ok, on a eu le dialogue. Graouh! Mais qu'est-ce que c'était que ce bruit? Bon alors, moi, je l'ai pas fait de manière très flippante, d'accord, mais il faut imaginer que c'est quelque chose de... tu vois, un truc... tu vois, un truc vénère, tu vois. Quelqu'un nous observe. Ce doit être lui ou eux que nous avons entendu. Tu penses? Ah! Serre-toi contre Valkyonou! Oh, Nevra d'amour, tu nous manques, là.
Oui, mon intuition me trompe rarement. J'ai une modo qui m'avait sorti ça à un moment, c'était parce que oui, c'était rigolo. Parce qu'elle s'était trompée au final. Où est-elle? C'était là. Cela me rappelle la rencontre avec Karen, sauf que cette fois, c'est sûrement pas elle derrière les voix que j'entends. Bon, super! Ce sera Team Rediff pour moi, mais je te souhaite un bon live, Thibou. Petit cadeau pour tes manas. Merci, Anaëlle, merci beaucoup. Et vive la Team Rediff, on vous kiffe, vous le savez. Hein. J'espère que je sais où je vais d'ailleurs, à propos de. Je sais pas du tout où je vais en fait. Hein. Galerie. Arche inclinée. Couloir creusé. Pilier central. Non, il faut que j'aille où? Mais en fait, je suis pas spécialement aidée. Aller au couloir creusé dans la galerie. Bah, j'ai pas trop d'aide en fait. C'était quoi ça? C'était genre un cadeau qui vole, mais super rapide. Wow! Tibouchou? Ah, il y a quelque chose qui m'a frôlé! Je me suis accrochée à son bras par réflexe. Une araignée! Mais elle était violette avec des pois jaunes quand même, le machin. Hein. Tu as vu un insecte? Non, ça avait l'air plus gros! Mais c'est quoi ce cliché là? Tu crois qu'on va forcément couiner parce qu'il y a une mouche? Non, sérieusement, Valkyon! J'en attendais mieux que toi quand même, hein. Oh, cul, hein. Suis-je la seule à être Team Ezarel? Non, vous êtes plusieurs à être Team Ezarel, hein. Je n'ai rien vu, mais rassure-toi, ça n'a fait que te frôler. Ça me rassure vachement. Non mais, Valkyonou, là, j'aime pas trop ça. Hein. Tu prends tes airs, là, ça y est, on est une meuf, on a peur parce qu'il y a une mouche qui pète. Non, 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 c'était une boule violette avec des pois jaunes. Je suis sûre de moi, et c'était gros. Donc, si ça se trouve, c'est un truc qui va te tuer après, t'auras l'air bien con de pas nous avoir écoutés, hein. Avec tes abdos, avec tous tes abdos lisses, là. Bon, et maintenant, je fais quoi? Galerie. Je me suis aventurée un peu plus loin que prévu. C'était bien le moment, tiens. Attends-moi là. Hein? Comment ça? Non, 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 mais c'est pas la bonne idée, ça. Dans les films d'horreur, c'est toujours ce qui se passe. Hein, à chaque fois, on galère et il y a des films d'horreur, on se sépare et on se fait buter. Moi, j'ai peur de tous les insectes. Oh, c'est pas méchant les insectes, ça dépend lesquels, tu vois, mais. Un petit don qui pourrait te servir pour tes manas. Merci, Samili, merci beaucoup. Ça va servir vu les prix que ça coûte. Les prix des manas dans Eldaria, ils sont quand même. Tu vois, hein, c'est. Déjà, l'amour sucré, c'est pas cher. Ça, c'est pas mal cher, mais alors Eldaria, c'est. Bref. Je vais explorer les lieux. Je ne veux pas que tu sois blessé et le périmètre a l'air assez sûr. Ouais, enfin, il y a quand même cette chose qui m'a frôlé tout à l'heure, hein, la boule violette à pois jaunes, là. Hein. Tu veux qu'on aille chercher Chrome ou Valarian pour rester avec toi? Non, ça ira. Je vais prendre mon courage à deux mains et t'attendre ici. Toute seule! Tu sens le reproche là? Là, il y a un reproche, hein. Rassure-toi, je reviens très vite. Ouais, ils disent tout ça, puis après ils disparaissent avec une autre nénette, hein. Il va aller voir à la GA, ils vont copuler dans les bois. Je suis pas en forme, ce live tombe bien, merci. Oh, ma Johanna, courage, ma belle. J'espère que ça s'arrangera et avec plaisir pour te divertir. En plus, ça rime. Avec tes abdos lisses, l'insulte de l'année. Bah, Amélia, je fais ce que je peux. Hein. Je peux pas lui reprocher grand-chose en vrai, hein. Il me laissa seule dans la pénombre et le froid de cette grotte. Et sans vouloir dramatiser la situation, je ne me sentais absolument pas rassurée. Tu m'étonnes. Pour éviter de me sentir, en plus de tout ça, inutile, je pris mon arme à la main et fis quelques rondes dans le périmètre, histoire d'eux. Après ce qui me parut être des heures, je commençais à m'inquiéter. M'inquiéter. J'aime trop. Bah, quand je dis Valkyon, à chaque fois, je me gourre quelque part. À m'inquiéter, bien sûr. Valkyon n'était toujours pas revenu. Mais qu'est-ce qu'il fait, bon sang? Il devrait être revenu depuis un moment. Est-ce que je devrais aller voir ce qui se passe? Ah, là je sens qu'il y a une importance. Est-ce que ça m'est marqué mon truc? Non, non, moi j'ai que les lieux. Est-ce que vous savez ce qu'il faut que je fasse? Parce que je crois que c'est là le choix de l'élu, hein. Ça me semble bien, bien important, tu vois. Coucou Thibou, courage pour ce live. On espère voir Névra d'amour quand même. Je pense fort à tes manas. Merci Lost Girl, merci beaucoup. J'espère aussi voir Névra d'amour pour compenser ma voix cassée. De toute façon, il guérit tout Névra d'amour. Hein. Valcon, oui, on se rappelle tout. J'ai dit Valcon la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'on met? A, l'appeler illustration plus 5. Ah, merci Miss Gigi. Ah, ça y est, ah, là je vous retrouve. Vous n'êtes pas d'accord. Il y a du B, il y a du C, il y a du B, il y a du A. Ah, vous êtes beaucoup à dire A quand même. Hein. Mais je. J'ai vu un C illustration. Alors je. B pour l'élu. Ah oui, mais vous ne dites pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais pas chercher sur Google? Parce que j'ai pas envie de me foirer là quand même. Hein. C'est quand même une. Vous n'êtes pas d'accord, vous dites B illu, C illu. J'ai pas eu A illu, ça j'ai pas eu, mais. C'est quoi, je vais checker. J'ai pas envie de me foirer. Je vais pas faire un petit coucou comme d'habitude. Oh. Thibou, la caméra bug. Ah bah ça arrive des fois. Bon, vous êtes plusieurs à dire C illu. Vous êtes quand même plus à dire illustration C. Hein. Bon, je vais vous croire.
Après, vous êtes beaucoup à dire B aussi. Hein. Oh là là, cette hésitation. Team Rediff, est-ce que vous savez? Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas interagir directement. Mais est-ce que vous le saviez au moment où vous regardez ce live? C'est Illu, je viens de vérifier. Ok, ça marche, je crois. Attends. Moi, du coup, est-ce que ça me dit où je dois aller après? Après, c'est croisement, galerie. Oh là, c'est un vrai labyrinthe. Oh le bordel. Bon, faut que je l'appelle, c'est ça? Ouais, on est reparti là-dessus. Là, c'est pour l'Illu. Bon, je l'appelle. Valkyonu! Valkyon? Il ne me répond pas. Je serais mieux d'aller le chercher du coup, hein. Je tiens plus, il faut que j'aille le chercher. Elle n'est pas du tout obéissante. Alors, croisement, galerie sur ma gauche. Croisement, galerie. Voilà. Ensuite, croisement en face. D'accord. Puis, galerie de nouveau en face. Oh, heureusement que c'est écrit, hein. Et croisement. Oui. Oui! Merci! Valkyon? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je me suis approchée de Valkyon sans plus tarder. Oh, j'ai pas eu Lilu! C'était passé finalement! Voilà, il y a plein de dons d'un coup. Bon, c'est pas beaucoup, mais j'espère que ça pourra t'aider pour tes manas. PH, je t'adore énormément, tu es comme une grande soeur pour moi. Merci Léa, merci beaucoup. Et Pindet Singh, quand c'est important, on n'est pas d'accord. MDR, mais c'est trop ça! C'est trop ça! Pourtant, je pensais que. Il me semble que j'ai. Il me semble que je voyais C aussi, ou alors j'ai mal fait. Comme j'ai regardé vite fait. Mais j'ai pas eu l'illustration. Ou alors c'est parce que j'ai Névra en coup de cœur. Je sais pas si ça peut jouer, mais j'ai pas l'illu. Tant pis! C'est un fail. Il a l'air d'être profondément. Il a l'air d'être profondément évanoui. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir le sortir de là. Je ne veux pas le laisser tout seul ici. Qui sait ce qui pourrait lui arriver? Ah donc il est évanoui? Non mais on va pas le laisser là, évidemment que non, on le traîne! On le traîne sur... Bah oui, en même temps, non, il est lourd. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si c'était Lilu, mais t'es en coup de cœur, Nevra. Ouais, c'est ça. Je me suis mise à le tirer en direction de l'extérieur. Bon sang, qu'est-ce qu'il est lourd! Bah oui, tu m'étonnes. Allez, Tibouchou, tu n'as pas le choix. Tu dois faire sortir Valkyon d'ici. Ah, faut que je fasse ça dans l'autre sens, est-ce que c'est marqué? Attends, bah sinon je fais dans l'autre sens. Ah non, j'ai perdu l'image! Alors du coup, on revient là. Bon là ça va, il n'y a qu'un seul chemin. Du coup je suppose qu'il faut que je fasse ça à chaque fois. En fait. Ah là 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 il y a le doute. Bah ce son c'était toujours croisement ou galerie. Ah oui mais il y a laquelle? Est-ce que c'est la bonne? Ah attends, arche inclinée, on connaît ça. Arche pentue. On connaît arche pentue. Galerie. Je suis paumée, ça y est, je suis perdue. Arche inclinée. Couloir creusé. Pilier central, on connaît! Oui, je suis sortie! J'ai perdu 400 mana! Attends, comment on sort de là? Non, parce que. Bah non, on peut pas sortir. Je peux pas sortir! Pourquoi je peux pas sortir? C'était pas là? Mais je peux pas! J'ai cru que j'étais sortie! Ah, c'est bon, c'est bon! On est sorti! On est sorti! Oui! On est sorti! On est sorti! En 400 mana seulement, franchement. Bizarre, j'ai les arrêts dans CDC, mais j'ai Lilu avec Valkyon. Ah bah je sais pas. Pourtant c'était peut-être la B du coup. Hein. Vous étiez partagés, hein, donc c'était peut-être la B. Fallait le faire avec Nevra. Je peux pas choisir. Je peux pas choisir pour cet épisode. C'est possible que c'était la B, hein. Tibouchou, vous avez déjà. Alors attends, on a quand même traîné Valkyon sur tout ça. Et la meuf, elle doit être au bout de sa vie. Bordel, qu'est-ce qui se passe? Valkyon, il m'a dit de rester en arrière pendant qu'il explorait les grottes. Mais comme il ne revenait pas, je suis allée le chercher. Et je. Val, aide-nous à le porter. On doit aller voir Ewilene de suite. Valarian a pris l'un des bras de Valkyon pour le soulever. Chrome l'a épaulé. Au moins, on se le traîne pas, c'est déjà une bonne nouvelle, hein. Coucou, Team Rediff Formi, révision de maths, Love Nevra. Oh, courage, c'est dessous. Des révisions de maths en plein mois d'août. T'es brave. J'ai suivi le groupe de près. En arrivant devant Ewilene, celle-ci eut une expression remplie d'effroi. Valkyon, que lui est-il arrivé? Elle a directement pris son pouls. Il respire. Val, monte-le dans la chambre, j'arrive tout de suite. Tibouchou, raconte-moi tout. J'étais en exploration avec Valkyon et il m'a dit de l'attendre pendant qu'il avançait un peu plus en profondeur. J'ai attendu un moment, mais voyant qu'il ne revenait pas, je suis allée le chercher et je l'ai trouvé à terre. Mince. Elle est partie le rejoindre. Je vais aller lui filer un coup de main. Elle va avoir besoin de mes talents d'alchimiste. Je. Désolée. Je me suis éloignée de l'auberge. Je sens bien que ma présence n'est pas désirée pour le coup.
Et Wellaïn ne m'a même pas demandé de l'épauler. Elle doit sûrement se dire que tout ça est de ma faute. Meuf, c'est pas de ta faute, c'est lui qui a voulu y aller tout seul! Oh, elle est toute tristou! Je m'en veux terriblement. J'aurais dû refuser de l'écouter. Pourquoi j'ai obéi cette fois-ci? Pourquoi? Eh bien, mon enfant, ne te morfonds pas pour cela, ce n'est pas si grave. Si, ça l'est, il a sûrement été empoisonné comme les autres habitants. Ton ami est vivant et il a pu compter sur toi pour le ramener jusqu'ici. C'est le plus important. Je me sens coupable quand même. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais pu l'aider. J'aurais pu le suivre et l'empêcher d'être dans cet état. Si nous étions capables de nous débrouiller sans l'aide de la garde d'île, il serait sans grand doute en bonne santé aussi. Il ne sert à rien de refaire le monde avec des si. Les faits sont les faits. Tu n'as pas à t'en vouloir de quoi que ce soit. Tu as retrouvé ton compagnon dans les grottes. Tu lui as sauvé la vie. Alors ne pense pas à autre chose. Si vous le dites. J'ai préféré m'éloigner un peu et je suis sortie du village pour prendre l'air. J'imagine qu'il ne sert à rien d'aller enquiquiner Wellaïn pour avoir des nouvelles. Elle a toute l'aide qu'il lui faut. Ah, elle a le seum, là, hein! Je ferais mieux d'attendre les nouvelles, même si j'angoisse à l'idée que ce soit trop grave. Mais meuf, c'est pas ta faute, en fait. Arrête. Ah, faut que je change. Ok. Faut que je change. Faut que je parle. Et personne. Ah, oula! Si même l'un des leurs est contaminé, alors nous sommes tous condamnés! Mince, même eux parlent de ça. Ah d'accord, c'était rapide. Bon, c'est pas là qu'on va trouver de la confiance, hein. Alicorne, du coup, Thibaut, tu continues Glee ou pas? Car honnêtement, je pense que tu devrais continuer, car si tu aimes les séries où les persos évoluent, il faut que tu continues. Je pense que je continuerai, mais c'est pas sûr, j'attends d'en avoir envie. Il paraît que leur chef a été empoisonné. Tu y crois, toi? Quelle horreur! Oui, bon, ça va, hein, le soutien, là. Chut, c'est celle qui a trouvé le garçon. Taisez-vous. Sympa, j'ai l'impression d'être une pestiférée, là. Super, bande de pignoufs. Tous des pignoufs. Ok, je peux pas revenir dans la grotte. Ok. Ah! Tiens, voilà Chrome! Hey, ça a pas l'air d'aller, toi. On dit la vérité, à quel moment on va mentir à Chrome? Ça va pas, non? Pas trop, non. C'est à cause de ce qui vous est arrivé à Val. C'est à cause de ce qui est arrivé à Valkyon? Ouais, je me sens vraiment coupable de ce qui lui est arrivé et je suis très inquiète. Je connais pas encore l'avancée de son état, mais par contre, tu dois pas te sentir coupable. C'est pas de ta faute, tu sais. Si tu le dis. Oh, c'est vrai. Ni moi, ni Val, ni même Ewelyn ne t'avons dit c'est de ta faute, t'es trop responsable de tout. Que je sache. Alors va pas t'imaginer des choses. J'aurais dû rester avec lui. Tu l'as trouvé. Tu lui as probablement sauvé la vie. C'est tout ce qui compte. Je sais, c'est ce que la doyenne m'a dit. Mais je ne peux m'empêcher de penser que j'ai ma part de responsabilité. Eh bah t'arrêtes d'y croire. Bon, par contre, je dois y aller. Je vais demander à Ewelyn de venir te donner des nouvelles dès qu'elle aura le temps. Ça marche. Fais-moi le plaisir de retrouver le sourire en attendant, ok? D'accord. Il est trop mignon, petit Cro-Mounet! Il m'a prise dans ses bras pour me réconforter avant de s'en aller. Oh, c'est notre BFF! Chrome a peut-être raison. Mais oui, il a raison, ma bichette! Ça doit faire 1 heure ou 2 que je suis là. Je sais pas trop ce que je peux faire d'autre. Tibouchou, je suis contente de tomber sur toi. Et Willine, comment va-t-il? Je ne te cache pas que Valkyon n'est pas au mieux de sa forme. Tu l'auras deviné, c'est un empoisonnement. Comme pour les villageois. Oui, son état est pour le moment stable, mais il lui est impossible de transporter au QG pour le moment. Est-ce qu'il va s'en sortir? J'espère. Jusque-là, les autres malades ont toujours repris leur force quelques jours plus tard. Cependant, son état, il est critique. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais on dirait que la dose de poison qu'il a reçue est plus importante que celle des cas que j'ai pu avoir jusque-là. Comment ça? Je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas ce qui fait qu'un patient est plus atteint qu'un autre, et ce n'est pas faute d'avoir passé des jours entiers à étudier cette horreur. Mince, elle a vraiment l'air à bout de nerfs. Oh là 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 là! Il doit y avoir du poison dans la grotte. Ah bah c'est sûr, mais sous quelle forme Si seulement j'avais un échantillon du poison originel, cela me permettrait de synthétiser un antidote ou un vaccin. Un échantillon du poison? Je pourrais peut-être aller en chercher. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée, surtout toute seule. Tu vas pas toute seule, ou alors t'emmènes Cro-Mounet. Tibouchou, je suis désolée de t'embêter avec mes réflexions. Tu as dû être bouleversée par cette histoire. Est-ce que tu veux en parler? Je ferais mieux d'éviter d'embêter Ewelyn avec mes états d'âme. Je pense savoir comment la soulager. Ça va, je tiens le coup. Tu es sûre? Pourtant, Chrome m'a dit que tu n'avais pas l'air d'aller bien.
J'étais surtout très inquiète. D'accord. Je ne vais pas te retenir plus longtemps, à moins que tu aies besoin de mon aide. Non, ça ira. Les garçons m'ont déjà bien prêté main forte et je pense que tu as besoin de souffler et de te reposer. Ouais, tu as raison. Bon courage, Ewelyn. Bon courage, Tibouchou. Quoi que tu fasses. Quoi que je fasse. Ah, donc elle veut qu'on y aille, en fait. D'accord. Elle est repartie aussitôt. Je me demande si elle n'a pas fait exprès de me parler du poison. Enfin, je dois essayer de récupérer du poison, même si je ne sais pas quelle créature je vais rencontrer dans ces galeries. Je vais éviter d'en parler à qui que ce soit, je suis sûre que personne ne serait d'accord. Mais bien sûr! Mais c'est la super idée de l'année! Comme ça, tu rentres dans la grotte, t'es toute seule! Plus tu sais pas te battre, hein, tu sais rien faire, hein, et là, y a pas Névra d'amour pour te sauver la mise, hein. Tu vas te faire bouffer par une espèce de créature chelou, là, hein, et personne pourra t'aider. Quelle idée! Oh, les conos! Ça me dépite. Allez, allons nous faire bouffer le cucu! Enfin, au sens, pas au sens sexuel, hein, j'entends, mais... Ça y est, je suis devant la grotte. Bah, on voit, hein. J'appréhende énormément après ce qui est arrivé à Valkyon. Allez, Tibouchou, courage. Mais c'est pas du courage, c'est de l'inconscience, tu sais pas te battre. Elle sait pas... Dites-lui dans le chat, elle sait pas se battre. Ou dans la team Rodif, dites-lui en commentaire, elle sait pas se battre, c'est une connerie. Parce que c'est débile. Pour soutenir les plans foireux de Tibouchou. Merci, Kimo KLG, merci beaucoup. Oh là là, elle est débile. Mais en plus, on sait même pas... Enfin, il faut réfléchir, il y a pas de marque de poison sur leurs mains, c'est forcément un truc qui se respire. Ou qui s'avale, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est pas un truc visible sur le corps. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bon du coup, attends. Ok, alors, devant la grotte... Alors il y a marqué, après Ewelyn, va devant la grotte. Au pilier central. Allez, on y va. Pilier central. Voilà. Prenez sur la droite... Non, attends. Oui, prenez... elle vous voit tuto. Ah, elle a du copier-coller d'une solide de quelque part. Prenez sur la droite et enfoncez-vous dans les arches pentues. La droite... J'ai pas les arches pentues, ça commence bien. J'ai pas les arches pentues, moi. Hein. J'ai pas ça. Hein. Bon, bah voilà, on va bien trouver les arches pentues. Ouais, elles sont là, tout va bien. Tu sais pas de balle, t'es débile. Voilà, j'aime cette... arches pentues, puis galerie, puis croisement. Galerie, mais j'ai pas du tout ce qu'on me demande. Ah si, galerie, croisement. Ok. Et là, tu te démerdes. D'accord. D'accord, donc là je... D'accord, donc là je vais au pif. On est content, hein, c'est... Chemin de la foi. On n'a jamais pris le chemin de la foi, je crois, hein. Bon, bah allons-y, hein. Elle m'a dit au pif. Donc, je vais refaire le chemin que j'ai fait avec Valkyonu. Oh là là, mais je sais plus lesquels c'est. Ok, donc là c'est une impasse. C'est pas le chemin pour aller avec Valkyonu, en fait. Là. Ah, ça y est, j'ai un mot. Oui. Je ne sais pas trop par quoi commencer et surtout comment faire pour rencontrer là où les créatures qui habitent ces lieux. En tout cas, je n'étais jamais allée jusque-là. Je ne sais pas ce que j'y trouverai, mais j'ai rien à perdre. J'ai avancé un peu plus profondément. Jusqu'à ce que j'entende des bruits similaires à des pleurs. Oula, ça pue. Ça pue. Ça pue. On va penser à Névra d'amour pour se donner du baume au cœur. Exactement, Yui, ce sera pas de luxe, hein. Y a quelqu'un? Aucune réponse. J'arrive pas à savoir d'où ça provient. Qu'est-ce qu'elle est con, mais qu'est-ce qu'elle est con? Moi, je continue mon chemin, hein. Non, je me paume, là, je suis en train de me perdre. Non, je me suis pas perdue, mais c'est pas là. Des rires? J'entends des personnes parler, mais j'arrive pas à comprendre. What? C'était des champignons. On est d'accord ou pas? C'est pas moi qui ai fumé, c'était des champignons. Qu'est-ce que c'est? Et attendez-moi, qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Rendez-moi mon doudou. On a un champignon qui parle. Il y a un champignon qui parle. Cela dit, c'est pas les salamonites mortelles, là le... Il a perdu son doudou, un champi. Faire une pause glouglou, hein, voilà. C'est de la vodka qu'il faudrait que je boive pendant les lives, hein. C'est clairement pas de l'eau, hein. Non, mais en fait, Eldaria, tu sais, il y a des films comme ça qu'il faut regarder quand t'es défoncé. Je me suis jamais défoncé, mais c'est connu, tu vois. Bah, Valdaria, c'est un peu un jeu comme ça, en vrai, hein. Voilà, voilà, voilà. Oh, des Pokémon. Oui, Mimi, c'est pas faux. Voilà, voilà. Tu rêves, on l'a, on le garde.
Ouais, si tu veux le récupérer, t'as qu'à venir le prendre. D'accord, donc on a des champignons, Sissi Wesh. Hé hé! C'était ça. Bah alors, ça, est-ce qu'on s'y attendait? Non, hein, je crois que. Dites-moi, hein, Team Rediff, dans le chat, est-ce qu'on s'attendait à voir des champignons, Sissi Wesh, racketter le doudou d'un autre champignon? Je ne pense pas. Je crois que. Alors là, on pouvait s'attendre à tout, sauf à ça. Hein, c'est des champignons qui causent, c'est pas. C'est quand même pas très fréquent, hein. Oh, Dodi qui me donne des knocks! Coucou Thibaut, ça fait longtemps, OMG, enfin Team Live. Et non, mais la gardienne est suicidaire, je vous jure. Qui en vrai fait ça? Mais bon, ouais, non, mais on va pas essayer de la juger. Elle fait tout le temps des conneries, donc. Je le savais, tu bois de la vodka pendant les lives. Exactement, ma princesse, c'est pour ça. Je finis pas toujours très clair. Mais je vais me plaindre! Ce sont des champignons qui parlent. Tout va bien. Laissez Milo tranquille, bande de méchants! Ils sont tous partis en courant. Bon sang, je dois être sur la bonne voie. Ah, mais c'est qu'en plus, elle est fine détective, hein. D'accord, bah je vais. Ok, bah, je continue. Hey, t'es qui toi? Je m'appelle Timouchou et toi qui es-tu? Donc on parle avec un champignon, mais genre ça ne la choque pas. Genre elle n'est pas du tout choquée. La meuf parle à un champignon. Et elle est en mode. Salut, tu fais quoi dans la vie? Moi je suis une gardienne d'île et toi, est-ce que tu fais des omelettes? Tu vois, je. Elle est totalement en mode dialogue normal avec un champignon. C'est quand même. Non, on a le droit de. De trouver ça étrange quand même, je veux dire. Même. Enfin. Tu vois ce que je veux dire? Elle est quand même humaine de base. C'est Enzo et sa bande. Oh, pensée pour Secret d'Henri. Ma maman m'a dit de pas répondre aux inconnus. D'accord. Tu peux venir m'aider? Mon copain s'est coincé. Viens m'aider, madame. Je l'ai suivi sans vraiment réfléchir. Donc là, on a deux choses qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que le champignon écoute sa mère comme quoi il ne doit pas parler aux inconnus. Par contre, il dit à l'inconnu de la suivre. Donc c'est pas vraiment mieux. Et elle suit un champignon. Rien ne va, rien ne va dans ce. Rien ne va du tout. Oula, c'est un. Oula, ça, c'est. Il est costaud celui-là. Ah mince, il s'est coincé entre deux rochers. J'ai réussi à l'enlever sans difficulté. Bah bien sûr, touche-le à main nue. Bah c'est totalement l'idée qu'il faut avoir, parce que c'est pas du tout comme si tous ceux qui étaient rentrés dans la grotte s'étaient fait empoisonner. Pas du tout. C'est. Bonjour toi. Hé, hey, lâche-moi, je sais pas qui t'es. C'est Tibouchou. C'est ta copine? Non, mais elle a l'air gentille, hein! Cette situation est surréaliste. Je vais poser cette chose sur le sol. Ce sera déjà. Aïe, j'ai mal! Tu veux que je te porte jusqu'à tes parents? Ouais, je veux bien. C'est tout au fond de la grotte, là où c'est tout bleu. D'accord, tu. Ah, on peut pas me TP, non? Tu peux pas me guider? Oh, c'est pas vrai. Théophile, merci pour ton don, mon chou! Des champignons qui parlent, tout va bien. Et on les suit. Tibouchou t'a pris quelque chose. Non, mais surtout, elle les a pris à la main! Genre, elle est quand même là pour chercher la cause du poison, elle prend un truc à la main, elle a jamais vu. Si vous regardez Angélique Marquise des Anges, le troisième film, elle a une robe à un moment qui se fait empoisonner par une meuf qui veut la tuer parce que elle est proche du roi et la meuf est jalouse. Et du coup, elle voit qu'il y a du poison sur la robe et elle la touche pas et elle appelle sa servante pour qu'elle la touche à la place et la servante, elle meurt. Oui, bon là comme ça pas l'air sympa, mais la servante c'était une connasse. Et bah tu vois, tu apprends dans Angélique qu'il faut pas toucher les objets empoisonnés. Et bah là, si ça se trouve, le champignon il était empoisonné et elle a pas du tout réfléchi. Comme quoi, il faut regarder Angélique Marquise des Anges. Voilà, c'est tout ça pour dire qu'il faut regarder le film. Alors, là-bas c'est bleu. C'est toujours bleu. Je suis le bleu, hein. Là c'est bleu, là. Eh, heureusement que je suis pas dit. J'allais dire heureusement que je suis pas nyctalope, pas du tout, c'est heureusement que je suis pas daltonienne. Quel est cet endroit? C'est vraiment magique, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Peut-être aussi parce qu'il y a des champignons qui parlent! Mais non, ça n'a pas l'air de la choquer, ça par contre, hein. Merci Unil pour ton don! Hé, hey, lâche-moi, il y a tous mes copains, wesh! Je l'ai déposé à terre pour qu'il aille rejoindre les autres champignons que j'avais vus plus tôt. En fait, madame, tu es très gentille. C'est tes amis, les gens qui viennent dans notre maison parfois. Ils me font peur! Si tu parles des personnes qui me ressemblent, oui, ce sont mes amis. Wow! What? Wow! Ça, c'est un gros champignon! C'est. Ok, d'accord, c'est une âme champignon, c'est. Ils ont dû fumer quand même un petit peu, les développeurs, hein, parce que réussir à dessiner un truc pareil, pour avoir l'idée de dessiner un truc pareil, il faut quand même être un petit peu foncedé, je pense, hein, c'est. Tu sais, c'est genre une soirée. J'imagine bien la réu, genre. Alors, il se passe quoi dans la grotte? Eh, on n'a qu'à dire qu'il y a une meuf champignon. Avec genre un très très grand champignon. Et elle a plein de bébés champis. Et il y a un bébé champi, il se fait victimiser parce que y a deux champignons qui la rackettent. Et on la vieille champi, elle a un œil au milieu du front. Et un filet autour des pattes. Ça, c'est pas mal. Non mais franchement, quoi.
Les enfants, revenez par... Qui êtes-vous? Que faites-vous dans notre demeure? Je suis Tibouchou. J'ai été appelée avec des amis par les habitants du village voisin. Et alors? Vous ne devriez pas être ici. L'un de mes amis a été empoisonné. Oh, j'en suis navrée. Vous devriez aller voir notre patriarche, est-elle? Son air s'est soudainement assombri. On dirait qu'elle sait quelque chose. Attends, ouais. Oh, c'est une dame champignon avec des grandes oreilles, elle entend tout, elle sait tout, hein. C'est clairement... D'accord, on va voir le patriarche, allons-y. Les décors sont beaux, ça par contre on peut le dire, hein. Ces créatures sont sans aucun doute la solution à ce problème, mais à quel point? Se peut-il qu'elles soient à l'origine des empoisonnements? Genre une amanite tumouche géante? Oui, bah comme le petit champignon qui se fait racketter par exemple, quoi, c'est... Hey! Voilà tes pattes qui touent et viennent touer, je sais pas ce qu'il parle. Pardon? Alors celui-là, attends, on va faire une petite pause 2 secondes. Repartons sur la réunion de développeurs. Comment on en arrive à ça? Non, parce que on a quand même un mec avec un navet à la place du pif, des moustaches en verre de terre, et un chapeau champi, quoi. C'est... Non, mais il y a quelque chose, hein. Il y a une volonté de créer, ça c'est... Et pourquoi il a des spaghettis à la place de la ceinture, ça je ne sais pas. Mais alors là, on est à un niveau de quelque chose, hein. C'est... Ouais. C'est original, hein. C'est... Non, mais... D'accord, c'est papy Mexicos, quoi. Pardon? Va tout vêter. Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites. Tu vis pas tes toué tourné? Merci. Quoi merci? Tu sais pas ce qu'il dit? Se trouve, il dit t'es une grosse connasse et tu dis merci. Faut jamais faire ça. Quand vous comprenez pas ce qu'on vous dit, dites pas merci. Au pire, dites ok, même pas. Se trouve, le gars il dit tu veux que je te séquestre pour 15 jours, tu vois. Donc non, dites pas ok, dites rien. Quand vous connaissez pas, vous répondez pas. Merci, pâtissière à la mode. Y'a plein de petits dons de 1 euro, c'est trop mignon. Je me suis écartée de lui. Casse-toi! Ok. Ah, c'était pas le patriarche. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors, plus on avance, plus c'est what the fuck. Mais alors là, c'est... Bonjour, mademoiselle. C'est sûrement lui, le doyen. Bonjour, j'imagine que vous êtes le patriarche de ce village? Tout à fait. Mais que faites-vous ici? Habituellement, aucun villageois ne s'aventure jusqu'à notre demeure. Vous devriez partir avant qu'il ne vous arrive malheur. Plus ça rime. Justement, je ne suis pas une villageoise. Je fais partie de la garde d'île et nous avons été dépêchés par les habitants de Balenvia pour enquêter sur une série d'empoisonnements. D'ailleurs, un de mes amis a été empoisonné aujourd'hui même. J'espérais que vous eussiez une réponse à m'apporter à ce sujet. La meuf utilise du passé simple quand même. Hein. Elle se laisse pas désarçonner, Tibouchou. On peut lui trouver plein de défauts. Mais elle parle quand même à des champignons depuis le début et elle a assez de self-control pour parler au passé simple. Non mais... On fait un petit clap-clap. Je pense qu'on peut faire un petit clap-clap. Team Rediff, je vous laisse faire le clap-clap en commentaire. Là, il y a... Oh, Pipin, il est là! J'arrive, il y a des champis, tout va bien. Ah oui, bah c'est assez perché, hein. Pouit. Ah bah, Let's Dead est autant perché que le développeur. Tout va bien. J'espérais que vous eussiez une réponse à m'apporter à ce sujet. Donc, usage du passé simple. On a fait le clap-clap. En effet, je crains que nous soyons responsables. Responsables? Nous sommes les empoisonneurs. D'accord, il dit ça au calme, le mec, super. En même temps, comment tu veux l'arrêter? On va pas placer des menottes sur ses petites racines, hein, c'est... Comment ça? Bon sang, je me suis jetée dans la gueule du loup. Bah, t'avais qu'à réfléchir, espèce de débile. J'ai reculé de quelques pas, mi-effrayée, mi-étonnée par ce que je venais d'apprendre. Non, ne soyez pas effrayée, jeune femme. Ce n'est pas de notre volonté. Qu'est-ce qu'on fait? On est méfiant ou on laisse le bénéfice du doute? Qu'est-ce qu'on fait? Non, je... Ce mec n'aurait pas un cristal. Ah, peut-être, j'avoue. Qu'est-ce que vous en pensez? Clap, clap, le passé simple. Ah bah oui, au beau niveau de conjugaison, hein. Ah bah ce niveau, c'est plus de la moquette qu'ils ont fumé, c'est de la laine de verre. Ah bah oui, bah si vous mettez trop de clap, clap, vous êtes suspendu pour 5 secondes. Bah ça va, c'est 5 secondes, donc... Vous dites là, ah, on l'écoute. Ouais, je pense aussi, il a l'air de bonne facture, hein. Allez, laissons le bénéfice du doute. Comment est-ce possible? Je veux dire, que vous soyez responsable de ça, mais pas volontairement. Et alors là, on se rend compte qu'elle est forte en français, mais pas en SVT, hein, parce que c'est des champignons. Et les champignons, ça dégage des pores, enfin des trucs, tu sais, ça peut sentir, ça peut te rendre toxico, ça se fume aussi, hein, les développeurs. Donc du coup, ou ça se bouffe d'ailleurs. Donc du coup, pour moi, ça me semble pas improbable que les trucs envoient des spores ou des trucs sans le savoir, tu vois. Laissez-moi vous raconter notre histoire.
Allons-y, on a accès à foutre, ça tombe bien. Oula, c'est long. Nous sommes des myconides, des êtres organiques aux formes champignonneuses, comme vous pouvez le voir. Les miens et moi-même avons pris place dans ces lieux depuis le grand exil. Nous en avons fait notre demeure, notre monde. Ces grottes abritent des siècles de notre histoire. Lui-même ? Mais quel âge a-t-il ? C'est des champignons incroyables. En plus, ils sont périmés. Tu m'étonnes que si les autres les ont sniffés, ça se passe mal. Jusque-là, nous avons toujours vécu en harmonie avec les habitants des environs. Tels des anges gardiens, nous leur avons fourni pierre, mousse et tout ce dont ils avaient besoin pour s'établir correctement. Ils leur ont fourni. Cela expliquerait les éboulements. Ils n'ont jamais découvert notre existence. Et pour ceux qui nous rencontraient, nous utilisions notre poison pour les endormir et nous effacer de leur mémoire. D'accord, jusque-là, ok. Mais alors pourquoi maintenant leur poison, il leur fait mal au cucu, tu vois ce que je veux dire? Il y a ça qui... Mais plus le temps passe, et moins nous sommes capables de contrôler notre poison. Mais c'est merveilleux! Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux là-dedans? Je ne comprends pas. Quel est le merveilleux? What the fuck, meuf? À quel moment c'est merveilleux? Le gars, il dit qu'il se contrôle plus, ça se trouve, il va te buter dans deux secondes sans faire exprès, et elle... Oh, mais c'est trop bien! Elle est un petit peu con quand même, hein, c'est... Merveilleux. Je viens de vous dire que nous sommes incontrôlables, et vous trouvez cela merveilleux. Oui, non mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'elle est débile. Ah non mais on le sait, papy champi, là, mais on ne peut pas contrôler ce qu'elle dit, malheureusement. Des fois, j'aimerais bien réussir à ce qu'elle ferme sa gueule, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Elle est un peu con, là. Non, Zydep, non, petit, non. Oui, et non. C'est vous qui détenez ce poison, et j'ai justement besoin d'un échantillon de celui-ci pour qu'une de mes amies synthétise un antidote. Cela pourrait permettre de guérir toutes les personnes qui ont été empoisonnées. Est-ce vraiment possible? J'expliquais au patriarche Ethel qui était Eweléine et ce qu'elle pouvait faire. Je crus apercevoir une lueur d'espoir dans ses yeux. Malheureusement, je devais avoir passé un peu trop de temps dans les grottes, car je me sentis de plus en plus fatiguée. Nous avons remarqué que nous sécrétions beaucoup plus de spores la nuit que le jour. Je ne voudrais pas vous faire courir un risque insensé. Alors, partez. Nous vous laisserons un échantillon de notre poison demain matin. D'accord. Masquilien, toi qui es le plus courageux d'entre nous, accompagne-la jusqu'à la limite. C'est Masquilien le... D'accord, bonjour Masquilia. Moi c'est pas... ça fait penser à une chanson, c'était Papi de Chulo qui sortait. Bon c'était un truc un peu de cul, enfin c'était une chanson bizarre. Mais il a une tête vraiment de Mexico celui, hein. Za, d'où va-t-il bain misou? En voyant mon air dubitatif, le patriarche m'a traduit les propos de Masquilia. Tout va bien se passer petite. Bizarrement, je n'en doute pas. Les Nikonides m'ont tous dit au revoir. Je me demandais si pour eux j'étais l'équivalent d'un nouveau membre de leur famille ou d'un animal de foire. Peut-être un juste milieu, sinon, tu vois, parce qu'un nouveau membre de la famille, c'est peut-être un peu rapide, quand même, hein, pour le... Nous sommes très vite arrivés à la limite. Moïdouzetsu! J'imagine que c'est ici que tu dois me laisser. Za! Et ça veut dire oui. Za! C'est beaucoup trop perché! Cet épisode est beaucoup trop perché! D'accord, merci beaucoup. J'expliquerai tout aux villageois, je leur dirai que vous êtes un peuple pacifiste. Je suis sûre que vous pourrez vivre en harmonie très bientôt. Vous n'aurez plus à vous cacher, je le promets. Merci à toi, Tibouchou. Merci, Masquilien. Tu sais quoi? Tu sais parler, alors? J'ai fait quelques pas de plus. C'est vraiment très difficile de marcher. Ma vue commence à s'embrouiller. Faites que je puisse atteindre le village et tout expliquer. Ah! Ah bon, parce qu'il faut que je m'y retrouve là-dedans? Arche inclinée. Mais où est cette sortie? Je me sens de plus en plus mal. Tout commence à tourner autour de moi. Si, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Je crois. Pilier central, on y est. Pourquoi tout est si flou? Allez, courage. C'est bon, on est sorti. J'y suis presque. Je suis dehors. Je ne me sens vraiment pas bien. Je ne vais pas tenir jusqu'au village. Allez. Les Myconides, j'ai promis. Eweléine, Valkyon... Tibouchou, qu'est-ce que tu fais là? On te cherche depuis plusieurs heures. Chrome, qu'est-ce qui t'arrive? Le poison. Je dois... Tibouchou! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais c'est pas le moment de tomber dans les pommes, ils savent pas, eux! Oh, mais qu'est-ce qu'elle est nulle! Pourquoi elle a pas mis un masque? Où suis-je? Enfin réveillée? Valkyon,
Je me suis redressée droite comme un piquet. Reste couché, tu as encore besoin de repos. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'on fiche ici? Et Willéine nous a ramenés à Balendia dès qu'elle a pu. Et je vais très bien grâce à toi. Je n'ai pas l'habitude de présumer de mes capacités habituellement, mais je dois bien avouer que cette fois-ci, j'ai fait figure de tête brûlée. Tu parles du fait d'être allé explorer seul les lieux? Oui, mais je suis quand même content. J'ai pu te protéger malgré ça. Oh! Je me suis mise à rougir. Valkyrie! Ouais, mais moi, c'est Névra d'amour, hein. T'en as trop pris, gros. Ah, mais un pipa, ils ont tous pris, là. Zadabidouba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 do
Non, c'est pas vrai. On la connaît? C'était pas la belle-sœur de l'autre? On la connaît, Luce? C'est qui, Luce? C'est qui? Dites-moi, moi, je me rappelle pas! Vous vous rappelez qui c'est? Nevra, tu nous manques, grave. Mais enfin, là, on s'en fout, il y a quand même quelqu'un qui est mort! Même moi, qui suis dépendante de Nevra d'amour, je fais la part des choses! Je suis désolée, Tibouchou, ce n'est pas tout. Mais c'est qui, Luce? C'est la... C'est pas la vieille? C'est la gobelin? C'est qui? Nevra, on t'a pas vu du live. Effectivement! Son mari est allé à l'affrontement. Il était fou de rage. Il ne voulait qu'une chose, chasser et tuer ces créatures. De nombreux villageois, sans doute lasses de la situation et effrayés à l'idée de devoir abandonner leurs terres, l'ont suivi dans sa vendetta. C'est horrible. Celle qui voulait pas qu'on drague son copain. Ouais, bah ouais, je pense que c'est ça. Mais c'est horrible! S'il te plaît, dis-moi que les Myconides sont en vie et vont bien. Ils sont en vie, mais je ne peux pas promettre qu'ils vont bien. Ils ont pris la décision de fermer la grotte, afin qu'aucun villageois n'y pénètre, et également pour ralentir la propagation de leur poison. Comment Aglaé a-t-elle pu laisser faire ça? Comment Ethel peut-il penser que leur sacrifice est la bonne solution? Il est très difficile d'acter face à la colère d'un homme dont le cœur est meurtri. En ce qui concerne le patriarche, je pense qu'il s'est dit que c'était la meilleure des solutions pour le moment. Nous devons intervenir, prendre les armes et montrer à Gostien qu'il se trompe. Ce n'est pas notre rôle. Alors quel est-il? La garde d'île vient en aide à ceux qu'ils demandent. Balenvia a clairement signifié une hostilité quant à notre présence. Nous ne pouvons aller contre leur volonté. Ce n'est pas nos valeurs. Nous continuons à surveiller de loin. Je sais que c'est dur de rester là, impuissante face à un tel événement, mais nous devons rester à notre place. Ouais, enfin, s'ils font un génocide, c'est un peu notre place d'intervenir quand même, on va pas laisser faire. Les pauvres champis! Bon après, les champis tuent tout le monde, certes, mais c'est pas leur faute, tu vois. Oh, ça se fait trop pas! En plus, genre, elle a complètement occulté le machin. En gros, ils ont buté des champis, quoi. Les petits champis, se trouve, ils ont buté les enfants. Si ça se trouve, ils ont buté le champi victime, là. Tu vas voir que les champis Sissi Wesh, ils sont toujours vivants, hein. Crois bien que le jour où nous pourrons intervenir, nous interviendrons. C'est trop pour moi. Je suis désolée. J'ai les larmes qui montent aux yeux. Je dois sortir d'ici. Il faut que j'aille dans ma chambre. Je veux pas que quelqu'un me voit craquer. C'est horrible. Il y a un génocide champignonnant, quoi. Bon sang, quel monde de merde. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est... Voilà, ça c'est... Je suis partie m'asseoir au bord du lit et j'ai mis la tête entre mes mains. Je me doutais bien que tout n'était pas tout rose ici, mais quand même... Oh, on a un petit au revoir avec les copains champi. Milo et ses copains, ils sont peut-être pas morts, eux. Masque Milien, tous les Myconides. Ah oui, en fait, ils ont tous été butés, en fait. C'est ça ce que t'es en train de me dire, parce que là, on a carrément un au revoir. C'est horrible! Je n'ai pas eu le temps de les connaître, et pourtant, je sais que ce sont des êtres gentils et sans mauvaises intentions. Pourquoi les baleines viennoises ne le comprennent pas? Bah, tout ce qui est différent, ça fait flipper. Bon, là, en plus, ils ont une espèce de poison, tu vois. Puis le gars, voilà, le gars, il sait venir. Le gars, en fait, il me pense à Gaston, la Belle et la Bête, tu vois. Genre le mec musclé, mais qui a pas trop de cervelle. En plus, voilà, sa meuf, elle est morte. Donc, en même temps, sa meuf, qu'est-ce qu'elle va foutre dans les grottes aussi? Elle est débile! Elle a pas compris que tu vas dans les grottes, tu crèves! Enfin, genre, je veux dire, je sais pas, c'est évident! Et non, hé, je suis débile, je vais dans les grottes! Hein, je veux dire, c'est un remède contre l'atout! Elle est des gens quand même, hein! Et puis, Luce, c'est une victime innocente, la pauvre. Je peux comprendre la peine que Gostien doit endurer. C'est la deuxième fois que je fais face à la mort depuis que je suis dans ce monde. Combien de fois devrais-je encore l'affronter? En serais-je seulement capable? Tibouchou, Nevra d'amour. Peut-être que c'est Nevra d'amour. Oh, sauve-nous de ce désespoir. Ah non. Bon, bah, c'est pas grave, on l'aime bien aussi. Il a quand même dit qu'on était la femme de sa vie à un moment, hein, donc... Je me suis permis d'entrer. Je t'ai vu sortir de la salle du cristal. Tu n'avais pas l'air bien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai appris pour ce qui s'est passé à Balenvia. Après que tu te sois évanouie? Ouais. Comment ça va? Qu'est-ce qu'on met? Là, je pense qu'il y a un choix qui ressort. Je vous laisse choisir. Oh, ça me dépite, là! Les pauvres champis! C'est bien la peine de créer des petits champis pour les tuer, quoi! Après, si ça se trouve, ils sont tous vivants! Mais, parce que Nico, elle a adroitement changé de sujet, tu vois, mais... À mon avis, le gars, il est arrivé, il en a buté une dizaine, et puis il s'est barré, quoi. Je suis trop triste. En vrai, ça dépite, hein. La A, la B, la A, ah ça y est, Mine God, cette tenue. Ah oui, Pip, tu connais pas. Ah bah oui, bah ils ont les abdos sortis, hein. T'as pas vu mon Nevra d'amour encore? Nevra d'amour, c'est le plus beau, hein. On verra Nevra dans le prochain épisode. Ah bah j'espère bien.
La A, la B, la C. Ah, là, je vous retrouve. Voilà, que des réponses différentes. La grande force. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui ressort plus que d'autres ou pas? La A, la C. Il y a quand même plus de A. La C, la B, la A. Comment vous pouvez être à ce point sur des avis différents? La B ressort moins. Donne-nous Nevra, il va planter des fleurs. Oh, le pauvre! Fais pas confiance à Lefton. Mais si, petit Lefton Ounet. Après, mal, très mal. Alors, on va essayer d'analyser vu que vous n'êtes pas d'accord. Le mal, très mal, c'est un peu trop, tu vois. Désolée, j'ai pas envie d'en parler, c'est pas vrai parce que j'ai envie qu'on en cause. Et la C, je la trouve agressive aussi, en fait. Donc, B en espérant. Non, mais je pense pas que ça va switcher, c'est bientôt la fin de l'épisode, non? Salut Pip. La réponse D. Merci Johanna, tu m'aides beaucoup. Tu m'aides beaucoup. Tu m'aides beaucoup. La B, la C positive. Ah, la C est positive? J'aurais pas cru, tu vois, parce qu'elle est quand même assez agressive en fait. La A, c'est un peu viol... La C est un peu violente. Ouais, je trouve aussi, hein. Genre bien, ça se voit, non? Ça va. Bon, la C? La C ou la A? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, vas-y, vous êtes quand même beaucoup à dire la A, je vais dire la A. Mal, très mal. Je suis désolée. Il s'est assis à côté de moi et a posé une main sur mon épaule. Je vais rester là. Si tu veux parler ou même ne rien dire, je suis là. Merci. Tu as le droit de pleurer ou de crier aussi, si ça peut te soulager. Je sais pas du tout quoi faire. Oui, bah oui, se laisser aller devant Leftan, allez. J'ai commencé à pleurer, un peu sans le vouloir. Leftan s'est rapproché de moi un peu plus et m'a totalement entouré de ses bras. C'est pas le moment. Ah, c'est pas le moment de me réjouir d'un contact, mais. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je me sens bien avec lui. Sa présence m'apaise malgré tout. Il possède cette douceur si familière. Maman, c'est ça. Il dégage la même chaleur dans son regard. On peut dire qu'il est friendzoné alors s'il lui rappelle sa daronne quand même, hein, c'est pas. Elle me manque terriblement. Oh, ma choupette! Ma famille, mes amis et même toutes ces fichues responsabilités que je souhaitais enfuir quand je suis arrivée à Eldaria. Ça fait plus de 3 mois que je suis ici maintenant, je. Leftan, je veux rentrer chez moi. Terminer l'épisode. Oh, la poupouille! La petite poupouille! Bon. Bon, bah, du coup, épisode fini. On a réussi à finir l'épisode 12, dis donc. Ça, c'est cool. Alors, du coup, on va aller voir les illustrations qu'on n'a pas eues, mais enfin, on va aller voir les manas plutôt. Les manas! Je pense que Nevra, on le verra à l'épisode 13, parce que là, on est rentré, donc normalement, il va y avoir de problème. En tout cas, on a fini le 12, donc bravo à nous. 80 avec Ezarel. Attends, on est beaucoup avec Ezarel aussi. 100 avec Nevra. 90 avec Valkyonu. 50 avec Leftan. C'est beaucoup aussi. 45 avec Miko. 10 avec Jamon. 100 avec Icarote. 25 avec Claude Grognasse. 20 avec Ewelein. 25 avec Dada. 15 Caruto. 65 avec Cro-Mooney. On a bien monté. 50 avec Karen. Oh, la reine Champi. 0. 0 pour le mec. Est-ce qu'on voit les enfants Champi? On voit pas les enfants Champi. Ah si! Oh, regarde, on va aller retourner les voir un petit peu. Regarde, ils sont là, on ne les oubliera jamais. Les petits poupouillins, même s'ils sont tous morts. Eh oui, c'est pas... La doyenne, Elliot, Evony et Penisman. Mais on le voit plus. On n'a pas vu plus longtemps, Penisman, hein. Bon, et eh ben écoutez, alors, je dois avouer, il y a une petite assonance quand même entre Nikonid et Nikoni. Oh, mon pipin, ça y est, tu es adepte du Discord. C'est vrai, c'est vrai. C'était un très bon épisode, je suis super contente. Par contre, c'est d'une noirceur, Seigneur Dieu. On a quand même eu un mini génocide là, hein. C'est basé sur une intolérance en plus. C'est quand même. On a eu un câlin de Chrome, Dada et Leftan. J'avoue, j'avoue, c'était quand même. Niveau tactile, c'était pas mal. Et Valkyr nous a été super mignon aussi. Merci pour ton don, Léa. Ouais, donc c'était vraiment un bon épisode. Par contre, je pensais pas qu'il allait être aussi sombre. C'est quand même. C'est pas la méga joie de vivre, tu vois. Donc écoutez, on va espérer revoir Nevra d'amour très rapidement et ravoir de bons moments légers et innocents et plein de bons moments. Voilà, c'est important. Nous, du coup, on se laisse là. On se retrouve normalement demain pour une vidéo. Je dis normalement parce que c'est une OP sur un jeu mobile, mais ils doivent encore me la valider. Et il est 19h. Mais bon, normalement, voilà, c'est censé sortir. C'est un jeu que vous me demandez depuis très longtemps. Je pense que ça vous plaira. Et je passerai peut-être sur Discord ce soir, vite fait.
Du coup, mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous. La semaine prochaine, on se retrouvera à 18h mardi pour la suite. Donc, on commencera l'épisode 13. Peut-être qu'il y aura un live jeudi à 18h, mais plus live papotage. Ça fait longtemps. Et je vous aime très fort. Merci Kimo pour ton don de fin de live. Passez une très bonne soirée. Je vous aime. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka. Et non, pas de spoil. Sinon, je vous mange tout cru. Bisous.